Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coulomb Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'atteindre chaque objectif dans Rocketeer Ruin. Alors le code de la map sera en description, en commentaire épinglé, donc vous entrez ce code et ensuite vous arrivez dans cette map. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans le portail vert. Et quand vous êtes dans le portail vert, vous attendez que la partie commence et normalement, il devrait vous indiquer un point d'objectif. Voilà, là il me dit objectif C is active. Donc là, je vais devoir tout simplement suivre la flèche qui est au-dessus de moi là, la flèche jaune, qui m'indique l'emplacement de l'objectif C. Donc là, regardez, je tourne en rond, je peux comprendre que en fait l'objectif est tout en haut. En plus, il est marqué par un point vert, par un point d'objectif, donc parfait. Donc on monte comme ceci, on met un peu de boost, hop, voilà. Et là ce que vous allez devoir faire c'est de rester 5 secondes dans l'objectif pour que l'objectif se valide je pense. Ah non, 20 secondes je dois rester. Current hard point active. Bon là je suis dans l'objectif. Hein. We build the new hard point, D. Ah ok, donc là je pense que je l'ai validé je crois. On va quand même attendre les secondes qui est affichées en attendant d'avoir un autre objectif. Ok, donc là je pense avoir réalisé l'objectif C. Maintenant on va aller sur l'objectif D qui est juste à côté. Hein. Alors c'est possible que vous ne les ayez pas dans l'ordre que moi je les ai. Hein. C'est possible que vous les ayez dans un autre ordre. Ça change pas grand chose. Hein. Hop. Donc là j'ai l'objectif D. Je vais attendre. En fait, vous avez un certain laps de temps. Donc là, en fait, j'ai validé le point. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le cercle plusieurs secondes. Hein. Vous validez juste le point. Et genre, toutes les 1 ou 2 minutes, l'objectif va changer de point. Donc là, je vais passer dans 10 secondes à un autre objectif. Ça va être sûrement A ou E. Peut-être E parce qu'en fait, je pense qu'il y a 5 objectifs. Donc on va voir. Ah, ben voilà, c'est A. Donc hop, maintenant, vous vous dirigez vers le nouveau point, donc moi, c'est par là. Ok. Il n'a pas l'air très compliqué à atteindre. Ouais, non, ça va, c'est easy. Hop, on met un petit peu de boost. Ouais, même sans boost, ça aurait été en fait. Et là, faut vraiment rouler dessus. Hein. Là, hop, j'ai validé le troisième point. Donc là, vous attendez le prochain point. Donc vous attendez 1 minute ou 2 minutes que le prochain point s'affiche. Ok, donc dans 2 secondes, j'ai un nouveau point. C'est parti. Ok, le point D. Ah, ok, je dois retourner sur le point D. Alors, je sais pas si ça va me le comptabiliser parce que je l'ai déjà fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi, j'ai lancé en partie privée pour pas être dérangé par les autres joueurs. Hein. Donc, vous pouvez aussi lancer en partie privée, c'est pareil. Donc là, je vais sur le point D. Alors, je ne pense pas que ça me le valide. Non, ça ne me le valide pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un autre point. Hein. Peut-être que je peux atteindre tous les points sans obligatoirement qu'ils soient affichés. Alors je ne sais pas, on va voir si le point là-haut est affiché. Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment que le point soit affiché. Alors si vraiment ça vous prend la tête d'attendre quand le point, par exemple moi j'ai fait le point C, D, A. Donc il me manque le B et le E. Si vraiment ça vous prend la tête d'attendre, parce que vous n'arrivez pas, le jeu ne vous propose pas les points que vous avez besoin. Ben ce que vous faites, c'est que vous relancez la partie et vous refaites l'objectif. Logiquement, ça devrait fonctionner si vous relancez la partie. Après, c'est pas sûr, mais vous pouvez toujours essayer. Si vous essayez que ça fonctionne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit message dans l'espace des commentaires pour indiquer à la communauté que ça fonctionne. Donc moi là, j'ai le point B. Le point B, je l'avais pas encore fait, donc on va attendre qu'il apparaisse. Okay, donc il apparaît dans 2, 1, c'est bon, let's go, il est là-bas, donc c'est parti. On va sur le point D, oula, il a l'air quand même compliqué à atteindre celui-là par contre. Ou peut-être pas, on va voir. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin par ici. On va pas se compliquer la vie, hein. On va y aller tranquillement. Voilà. En vrai ça va, c'est tranquille. Et là, je vais être obligé d'attendre le point E en espérant qu'il me le propose juste après le point B, mais c'est pas sûr. On verra ça. Ah, je viens de remarquer un truc, c'est que là, quand vous êtes sur le point,
Vous gagnez des points. Regardez, je suis premier avec 197 points. Alors, je suis sorti de la zone pour pas mettre fin à la partie. Parce que là, en plus, j'ai le point E. Donc, je vais vraiment attendre les 15 secondes pour paniquer tout. Parce que ce serait dommage. Ok, donc le point E, il est où? Il est là-bas. Okay, donc, c'est parti. Ouais, ça va. Il a l'air simple. Il a l'air simple. Je pense que j'ai juste à monter la rampe. C'est juste là. Voilà, tranquillement. Et boum, je rentre dans le point et je valide mon défi. Et là, normalement, 199, 200 points. Effectivement, j'ai bien fait de faire attention à ça. Dès que vous arrivez à 200 points, bah, ça met fin à la partie. Donc, si je serais resté sur l'objectif précédent, bah, j'aurais loupé mon point E. Donc voilà, dès que vous aurez atteint 5 objectifs, bah, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Socoolmec et ciao. Peace!